Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors ça parle que de Mbappé depuis hier après-midi. On a presque oublié qu'il y avait un match hier soir. On a vu le match de Mbappé qui a marqué sur penalty, mais qui n'a pas été très clairement bon, comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain d'ailleurs. En tout cas, ça fait la une de toute la presse française, la presse européenne, la presse mondiale, la presse régionale, la presse locale, la presse départementale et d'autres. La une de l'équipe aujourd'hui, voilà. Rupture, point de rupture pour Mbappé, voilà la une de l'équipe, la une du Parisien, Mbappé, les raisons du divorce. Alors avant de laisser la parole à Nono, je voudrais te dire un truc très clair et après je laisserai parler Nono presque toute la vidéo et on débattra après. En tout cas moi, la première chose que je ferais, si j'étais le prince Al Thani, si j'étais QSI, très clairement, je virerais tout le monde, je licencierais tout le monde de A à Z, très clairement, que ce soit le directeur sportif, le conseiller sportif, le président, le directeur général, les joueurs, l'entraîneur, le staff. Je vire tout le monde à part le jardinier qui nous fait des pelouses comme un billard. Très clairement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour moi déjà le premier problème c'est Nasser Al-Khelaifi. C'est lui le fautif de tout ça. Parce que lui c'est le bras droit du prince. Lui c'est qu'un esclave en fait. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent mais par rapport au prince c'est strictement rien. C'est une petite souris. C'est une goutte d'eau. Très clairement pour moi c'est son bras droit, c'est un esclave. Alors le prince a confiance en lui. Malheureusement, je pense qu'il a trop confiance en lui. Et je pense que, voilà, que ce soit Nasser ou que ce soit tous les mecs de QSI, pour moi, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau pour manager un club de football comme le Paris Saint-Germain. Donc déjà, Nasser Al-Khelaifi, il faut qu'il vire. Ça fait des années qu'on en parle. Le mec, il a mis tous les joueurs dans un confort incroyable, que ce soit les Zlatan, que ce soit tous les autres joueurs avec qui il mangeait au restaurant, avec qui il partait en vacances, avec qui il donnait des droits les lendemains de match. Il y a eu trop d'écarts de conduite, trop d'écarts. Rien que l'année dernière, les trucs de Icardi, de Herrera, de Verratti et de Neymar, c'est trop. À un moment donné, stop. Lui est le premier fautif déjà. Après, Luis Campos, il a montré ses limites. C'est un clochard, c'est un incompétent, il ne sert à rien. Parce que Campos, très clairement, qu'est-ce qu'il fait lui ? Bah, c'est simple, il donne une liste de joueurs. Mais qui c'est qui fait le boulot pour les vendre ou pour les acheter ? C'est Antero Henrique. Donc Campos ne sert strictement à rien. Donc on peut critiquer Henrique, mais au moins Henrique a ce talent de négociateur que n'a pas Luis Campos, très clairement. Voilà. Après, Galtier, bon, il n'a pas démenti l'information hier, comme quoi il pourrait quitter le Paris Saint-Germain si jamais Mbappé et Campos partiraient. Il n'a pas démenti. Alors certes, dans sa communication, c'est mieux que Tuchel, c'est mieux que Pochettino, mais à l'arrivée, ça ne marche pas. Et des joueurs tels que Marco Verratti, tels que Marquinhos, tels que Ramos, tous ceux qui ont connu cette remontada, ça ne marche pas. Moi, je pense que Mbappé, la première chose qu'il faut faire, la première décision, c'est le vendre. C'est bon, le mec ne veut plus jouer. Alors certes-toi-en pour le vendre 300 ou 350 millions d'euros et refais ton équipe. Achète deux défenseurs centraux, achète deux milieux de terrain, achète un latéral droit, achète deux attaquants. Avec 350 millions d'euros, tu peux te refaire presque les trois quarts d'une équipe. Le mec ne veut plus jouer au Paris Saint-Germain. Au revoir. Au revoir très clairement. Nono, cette histoire, mes propos, ma réaction, qu'en penses-tu ? La parole est à toi. Eh ben, je suis à peu près à 95% d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, la première chose que j'aurais fait si j'étais président du PSG, eh ben Mbappé ne jouait pas hier. C'était la première chose, je posais mes couilles, il jouait pas, et je sais même pas s'il était sur la feuille de match. Bon, comme tu as dit, je peux pas te contredire, il y a tout à changer. Aujourd'hui, on apprend qu'ils sont tous à la corrida. Ça fait 7 matchs. Trois joueurs. 3 joueurs à la corrida. Voilà, ça fait 7 matchs que tu galères, hein. Au lieu de resserrer les liens, on va à la corrida. Bon, d'accord, ok. Après les démentis de Campos et de Galtier, je n'y crois pas. Et puis, je vais te dire, ils ont tellement monté au pinacle Mbappé qu'on en arrive à entendre, si Mbappé s'en va, M. Galtier veut partir, M. Campos veut partir. Et là, c'est là que je te rejoins, Sacha, et que tu as entièrement raison, il faut repartir d'une feuille blanche. Voilà. Non, mais là, c'est complètement la feuille blanche. Moi, j'ai rien contre Marquinhos, j'ai rien contre Marco Verratti, j'ai rien contre Ramos. Tous ces mecs qui ont connu ces remontadas-là ne pourront pas y arriver. C'est mort. Tu vois qu'un mec comme Marco Verratti a montré ses limites, déjà dans le mental. Quand tu vois la nervosité qu'il y a eu contre Reims, la galère qu'il y a pour gagner un match contre Brest et un match contre Nice, d'accord, peut-être qu'on va rester invaincu. Peut-être que vous, les joueurs, vous allez rester invaincu encore pendant plusieurs matchs. Mais je peux vous dire que être invaincu jusqu'au mois de février pour se faire
casser le cul en huitième de finale, ça ne sert strictement à rien. Complètement, strictement à rien. Et là, l'exploit, c'est qu'ils sont en train de faire pire que Pochettino. Là, très clairement, moi, je suis sidéré, Nono. Je suis sidéré. Et il n'y aura jamais de changement. On le sait très bien qu'il n'y aura jamais de changement. Nasser ne partira jamais. Au pire, Campos pourrait partir, Galtier pourrait partir. Mais c'est le fondateur qu'il faut dégager. Et le fondateur, c'est Nasser. Le bras droit, la petite pute au prince. J'ai pas peur de le dire. Ce mec-là, d'accord, on peut dire que peut-être au niveau marketing, alors sinon, il change de poste. Qu'on le met au niveau marketing, qu'il s'occupe seulement du marketing. Mais qu'on mette un vrai président délégué qui a des couilles à la Aurelio De Laurentiis ou un Nolito de la Lazio ou un Florentino Pérez. Un mec qui a les boulons, qui sait sanctionner quand il faut sanctionner. Mais avec ce mec-là, on n'ira jamais nulle part. Il met dans un confort tout le monde. Très clairement, pour eux, il n'y a que l'oseille qui compte. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Es-tu d'accord avec ça, Nono ? Ben, je suis d'accord, c'est très mal géré. Aujourd'hui, tu lis dans les deux quotidiens que tu as montrés dans la vidéo, tu lis aujourd'hui que Nasser ne veut surtout pas vendre Mbappé. Mais jusqu'à quand ça va durer ? Guardiola, il lui aurait dit bon voyage. Voilà, Guardiola, il dit je ne garde pas un joueur qui veut partir. Et on va recommencer. Et la grosse faute pour moi, c'est les médias français. Aujourd'hui, Mbappé... Ah non. Ben, je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, Mbappé, dans le Parisien et dans l'équipe, eh ben, c'est celui qui a eu la meilleure note. Il a fait 3 accélérations dans le match. Donc, français... Oui, d'accord. Quotidiens français ont décidé que Mbappé, quoi qu'il fasse, c'est le meilleur. Et ben voilà. Voilà ce qui arrive. Alors, qui a été meilleur qu'Mbappé hier? Ils ont tous été mauvais. Non, mais il y en a bien un qui doit avoir une note supérieure à quelqu'un d'autre. Mais tu mets pas 7 à un mec qui a fait 3 accélérations dans le match. Qui a été meilleur qu'Mbappé? Ben, il n'a pas été meilleur que les autres. D'accord. Mais qui a été meilleur qu'Mbappé? Qui meilleur qu'Mbappé? D'accord. Ben là, tu me pièges. Voilà, personne. D'accord. Personne. Ben, qui a marqué un but? Oh, ça va, Sacha. Si on doit grimper au rideau, ben, on va avoir les notes. On va avoir une note ensemble. Je suis désolé. Même ceux qui ne l'aiment pas l'ont dit. C'est le seul hier qui a tenté des accélérations. Déjà, il n'a pas eu 7. Il a eu 6. Déjà, c'est pas la même chose. Il a eu 6. Verratti a eu 6. Danilo Pereira a eu 6. Juan Bernat a eu 6. Donc, Nono aussi, il faut savoir ce qu'on dit. C'est pas lui qui a eu la meilleure note. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben moi, je trouve que. Qui sont pas, comment dirais-je... Non, mais ayez les bonnes informations, s'il vous plaît. Oui, mais d'accord, mais il y a un moment, il faut voir les choses. Bon, on va revenir à notre sujet principal. Le monsieur veut partir, il faut le laisser partir. Voilà. Et on parle de football maintenant. Non, on ne va pas repartir sur un an de feuilleton. Mais c'est plus une question de le laisser partir, c'est il faut le vendre. Il faut le vendre. Ben, on est d'accord, Sacha. Ben voilà. Au revoir. Alors maintenant, où? C'est sûr que le Real Madrid... même si on dit que le Real n'en veut plus après ce qui s'est passé et tout, reste quand même une destination très très probable. Mais aussi, Nono, la presse anglaise aujourd'hui annonce un très gros intérêt de Liverpool qui pourrait proposer dès cet hiver, mais ce serait quand même plus intéressant pour eux l'été prochain. Là, je pense que ça va être un coup de gueule, Nono, de ta part. Bon, le Real reste une potentielle destination dans les quand même prochains mercato, c'est évident. Mais Liverpool qui serait prêt à proposer Mohamed Salah et plus de 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Faut-il le vendre 350 au Real ou dans un autre club cash, ou essayer de le vendre en récupérant un autre joueur du style Salah ou autre? Eh bien, c'est là que tu vas voir la dureté d'un président. Pérez ne mettra jamais 350 millions sur Mbappé, je te le dis de suite. Ceux qui peuvent mettre de l'argent aujourd'hui, c'est Liverpool. Faut pas oublier, ils sont en retard sur le dossier Mbappé, mais ça fait quelques années quand même qu'ils sont dessus. Alors moi, je pense que très clairement, bon, cet hiver, il va rien se passer. Voilà, à moins vraiment que quelqu'un arrive avec une mallette, très clairement. Mais ta réponse, Nono, elle me perturbe parce que je n'ai pas la réponse très clairement. Salah plus 250. Je vends. Okay. Voilà, je suis très clair. Pourtant, tu m'as dit en off qu'il faut arrêter avec les joueurs de 31 ans. Hein. Ben oui, mais là, c'est une belle offre quand même. Oui, c'est une belle offre, mais est-ce que tu as vu le Salah de ce début de saison? Ah, c'est plus le Salah des... Attends, non. Calmons-nous. Salah était très fort au mois de mai. Maintenant, c'est une pipe en 4 mois. Ah non, c'est pas une pipe. Il a pas pris 5 ans quand même. C'est pas une pipe, loin de là. Moi, je pense que c'est une très bonne proposition. Le départ de Sadio Mané fait mal, mais faut voir. Si Salah continue sur ces 2 derniers mois là à faire comme ça, j'ai envie de te dire non. Si c'est le Salah de la dernière, j'ai envie de te dire oui. Mais je crois que Liverpool a le même problème que nous. Salah, depuis un petit moment, a envie de changer d'air. Surtout, mais non, sinon il n'aurait pas prolongé. Mais il a prolongé parce que peut-être qu'il n'a pas eu les propositions qu'il pensait. Mais je sais. Je sais pas, non, mais.
Je suis désolé, je te coupe, mais déjà tu vois l'incompétence quand tu avais un Sadio Mané disponible à 35 millions d'euros et que tu as été parié sur la jeunesse avec Ekitike. D'accord, Mané a 30 ans, mais 35 millions d'euros, c'était cadeau Sadio Ah, Mané. mais Sacha, là, tu vas Arrête, m'énerver, arrête, mais t'as arrête, c'est raison. bon. Mais là, je te donne raison. Là, tu m'énerves. T'as loupé Mané, t'as loupé Fofana à 30 boules. T'as loupé Haaland? Voilà. T'as loupé Haaland? Et t'as peut-être loupé Haaland, on ne sait pas. Voilà. Si t'aurais vendu Mbappé, peut-être qu'Haaland serait venu. Eh ben voilà, t'en sais rien. T'avais les Parce que. capitaux pour l'acheter, et Parce c'est qu'en fait, tout. le problème, c'est que Haaland a signé très rapidement à Manchester City, et son père l'a très bien expliqué dans un documentaire en disant que nous, on voulait aller dans une équipe qui cherchait un numéro 9. Et apparemment, il n'y avait que City qui cherchait un numéro 9. Sauf que lui, Haaland, il a signé au mois de mai à Manchester City, avant le mercato d'été, pensant que Mbappé allait aller au Real Madrid. Mais Mbappé n'a pas été au Real Madrid. Donc si Paris aurait vendu Mbappé, par exemple, un an avant, peut-être que Paris aurait eu Haaland cet été. Eh ben, tu rentrais dans la course avec City. Je suis Voilà. d'accord avec toi. Alors maintenant, il y a une clause hein, pour Haaland à l'été 2024, qui est de 150 millions d'euros, Nono. Et là, je pense que c'est l'objectif numéro 1 du Real Madrid. C'est pour ça que je pense que Madrid n'ira pas sur Mbappé l'été prochain. Est-ce que peut-être Mbappé va rester au Paris Saint-Germain plus longtemps que prévu? Parce que déjà, qui va donner 100 millions d'euros par an à Mbappé? Qui? Eh Parce ben. que là, on parle de transfert. On parle de 300, 350 millions d'euros. Mais qui va donner 350 millions au PSG plus 100 millions d'euros de salaire à Mbappé? Ah, mais je pense que personne n'est dans la capacité de lui donner le même salaire. Donc là, il nous dira, vous voyez, c'est pas une question d'argent. Bon, mais moi, je dis, et je le redis, l'histoire est finie avec Mbappé. Bah, je sais pas, parce que le Real apparemment avait fait une proposition supérieure à celle du Paris Saint-Germain, donc le Real en a tout à fait les moyens alors. Ouais, pipo, pipo, pipo. Hein? En tout cas, Pérez avait raison, hein. Pérez avait dit à un supporter il y a un mois que Mbappé déjà regrettait sa décision. Mais franchement, le comportement, moi, c'est ça qui me fait être très énervé sur Mbappé. Parce que comme Thierry Henry l'a dit, moi, j'aimais pas jouer sur le côté gauche au FC Barcelone. Mais mon coach me disait de jouer numéro 9 sur la gauche, sur le côté, alors que ce n'était pas mon poste de prédilection. Bien Je sûr. jouais sur le côté, on a tout gagné. Mais bien sûr. Samuel Eto'o, quand Guardiola arrive, Guardiola veut le jeter. Et Eto'o ne dit strictement rien. Eto'o met 35 buts dans la saison. Et après, il vire Eto'o qui gagne l'année d'après la Ligue des Champions. Et rappelle-toi qu'Eto'o, avec Mourinho, il a même joué arrière-droit. Voilà. Léo Messi, quand Eto'o s'en va, quand Ronaldinho s'en va, quand Henry s'en va, qui on lui met? Pedro et David Villa. Et je me rappelle très bien, c'était en 2011. Tout le monde disait, mais comment vous avez osé mettre ces deux joueurs-là, ces deux Espagnols sur le côté à Léo Messi, ils méritent mieux que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année-là? Ils ont gagné la Ligue des Champions. Bien sûr. Messi avec David Villa et Pedro a gagné la Ligue des Champions. Mais on est d'accord. On est Donc à un moment d'accord donné, là-dessus. faut qu'il arrête Mbappé. Je pense qu'il est très mal entouré, qu'il est très mal conseillé, qu'il a des fréquentations qui n'en sont peut-être pas très bonnes. Et pour moi, le gars a complètement pété les plombs. Donc on peut pas le défendre. Il Mais est Sacha, indéfendable. mais bien sûr, moi je peux plus supporter. Voilà. Je peux plus supporter les malheureux à 100 millions par an. Ça, je peux plus entendre ça. Ronaldo, CR7, qui avait critiqué le mercato 2014 du Real Madrid, il a rien dit, il a continué à jouer. Benzema s'est sacrifié pour Cristiano Ronaldo. Benzema va être Ballon d'Or. Va être Ballon d'Or lundi qui Eh bien, arrive. ça, c'est l'exemple que je voulais en venir. Voilà, Benzema s'est sacrifié pendant des années pour Ronaldo. Voilà, chose que ne fera jamais Mbappé. Voilà, c'est tout. Et j'ai lu dans l'équipe ce matin une confirmation. Il aurait préféré jouer avec Scamacca qu'avec Neymar. Là, faudra qu'on m'explique niveau footballistique. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir, Nono? Moi, je sais que ça ne progressera pas. Et surtout, il y a un classico dimanche soir. Tout le monde dit que le PSG va gagner. Ça fait 3 matchs que le PSG n'a pas gagné. Ça fait 2 matchs que le PSG n'a pas marqué dans le jeu. Ça fait 2 matchs et demi que le PSG ne se crée pas d'occasion. Tu vas jouer contre Marseille, certes, qui a perdu contre Ajaccio, qui Ajaccio. était dernier. Là, on verra ce qu'ils font contre le Sporting. Dimanche, pour rappel, et tu me diras ce que t'en penses et on finira là-dessus, pas de Sergio Ramos. Pas de Presnel Kimpembe, pas de Nuno Mendes. Déjà, tes trois défenseurs titulaires ne sont pas là. Tu te retrouves avec un Hakimi qui ne ressemble plus à rien, un Marquinhos qui est en dessous de tout, et un Danilo qui commence à être de moins en moins bon que par rapport à il y a un mois. Tu as aussi potentiellement Messi qui ne sera pas là, Renato Sanchez qui ne sera pas là, ça c'est moins grave. Et Mbappé, on n'est pas sûr qu'il soit à 100% vu qu'il est sorti à quelques minutes de la fin. Nono, sans ces joueurs-là, bon, admettons Mbappé, il est là, on va dire. Mbappé sera là. Si Messi, Kimpembe, Ramos, Mendes ne sont pas là,
Qu'est-ce qui pourrait se passer dimanche? Eh bien, avec les absents que tu as nommés, moi, je vais te dire déjà la ligne d'attaque. Ça va être la même que contre Benfica. Si Messi n'est pas là. Je dis bien si Messi n'est pas là. Sarabia, Neymar, Mbappé. Quoi qu'il arrive, le milieu de terrain, ça sera Vitinha, Verratti. Et après, tu auras un petit changement à la place de... À la place de comment il s'appelle, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, à la place de Ramos, bah, tu auras un Mukiele. Voilà. Et il ne changera pas de système. Et il te fera rentrer Ruiz encore à la 87e et Soler à la 90e. Mais ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de signer au PSG? De toute façon, ce sera une purge dimanche. Hein. Le PSG peut gagner, le PSG peut faire match nul, le PSG peut perdre. Mais quoi qu'il en soit, ce sera une purge. Marseille va jouer le match de sa vie. Marseille va être dominateur dimanche. On le sait, cette équipe ne ressemble plus à rien. Là, je pense que tu peux mettre n'importe quel coach, à part un très très grand coach qui fasse une totale révolution. Là, je pense très clairement que Galtier n'y arrivera pas. Il n'a pas les épaules, il n'aura pas le courage, il va être très vite fatigué. Je pense qu'il n'aura pas le niveau, je l'ai trouvé déjà très marqué hier en conférence de presse, alors que ça fait que 2 mois qu'il est là. Pour l'instant, tu es invaincu, mais bon, comme j'ai dit, ça ne sert à rien d'être invaincu 6 mois, si c'est pour se faire déchirer le cul au mois d'avril ou au mois de mars ou au mois de février. Bien sûr, et je vais ajouter un dernier mot, hein, Sacha. Je vais te dire, j'ai peur d'un tsunami dans cette saison. J'ai peur pour le championnat de France, j'ai peur en Ligue des Champions, et je me dis, Bruno, tu t'es bien enflammé après ce début de saison, et je reconnais... C'est ça le problème de chaque personne. Ah bah, je me suis enflammé, je le reconnais. Bah, moi, le premier, j'ai dit, cette année, elle est pour nous. Non, moi, j'ai dit... Et voilà. Mais foireux, rappelle-toi, en début de saison, même, tu m'avais dit, Nono, calme-toi. Cette année, j'étais enthousiasmé, alors, début de saison. Elle est pour nous? De quoi elle est pour nous? La Ligue des Champions, en début de saison, je te l'avais dit, rappelle-toi. Mais pourquoi tu as dit ça? Moi, je ne me rappelle pas. Parce que je m'étais enflammé du début de saison qu'on avait fait. Trophée des Champions. Alors là, je ne m'en rappelle même pas. Tu t'en rappelles pas? Là, tu as pété un câble. Là, je te dis, tu as pété un câble. Non, j'ai pas pété un câble. Ah bah si, tu as pété un câble. Pourquoi, sur quel critère dire ça? Parce que tu en as mis 5 à Montpellier, 5 à Clermont. Eh bah, je m'étais enflammé, Sacha. Je m'étais enflammé. N'importe quoi. Mais là, je ne suis plus enflammé du tout, je te rassure. Non, mais attends, mais la Ligue 1, toi qui es le premier à dire que la Ligue 1 est d'une faiblesse abyssale. Tu te rends compte que là dans 2-3 semaines, le choc de la Ligue 1, ça va être Lorient-PSG, frère. Lorient-PSG. Bordeaux est descendu. Saint-Etienne est descendu. Des légendes. Monaco est au bois. Maintenant, les rivaux du PSG, ça va être Lorient et Rennes, mon pote. Ben, on en est là. On en est arrivé là. Alors, je sais pas quand Nono a dit ça, mais en tout cas, là, tu t'es complètement... Je m'étais planté. Alors après, bon, à sa rigueur, hein, y a pas d'équipe qui surnage pour le moment, à part peut-être Manchester City. Et encore, on a vu qu'ils ont eu du mal. Mais non, tu peux pas la gagner avec un coach comme ça. Ah non, mais je te dis. Tu peux pas la gagner avec ces joueurs-là. Déjà, c'est pas possible. À moins qu'il y ait une révolution cet hiver, qui t'achète 3 ou 4 joueurs qui peuvent apporter quelque chose, tu ne peux pas la gagner. Très clairement. Pas avec cet entraîneur-là, pas avec ce directeur sportif-là, pas avec ce conseiller sportif-là, pas avec ce président-là. Pas avec Mbappé qui fait la merde. C'est pas possible. Parce que les joueurs sont touchés aussi. Les joueurs sont touchés. Sarabia titulaire. Quand tu vois que Sarabia est remplacé par Messi, c'est déjà la fin du game, frère. Quand tu vois que Messi est remplacé par Sarabia, c'est la fin du game. Ah ben, il n'y a plus de game. Sarabia, on me dit, il était bon au Sporting. Oui, au Sporting. Club sans pression, pas de médias, pas de star à côté de lui. Il sera très bon à Séville, il sera très bon au Sporting. Au PSG, il a pas, c'est pas possible. Mais tu oublies une chose, Sacha. Pas possible. Tu oublies une chose. Et pourquoi, et en plus, il faut vendre Mbappé? Je vais te dire pourquoi. Tu as 260 millions de déficits. T'as le fair play financier sur le cul. Il n'y a pas de déficit. Eh ben oui, ben, on lit l'équipe de ce matin. Mais ils sont bourrés d'oseille. Mais ils sont bourrés d'oseille, mais ils sont poursuivis par l'UEFA dans le fair play. Mais s'il n'y avait pas d'UEFA, mon frère, tous les grands joueurs, ils seraient à Paris. Ah, ben on est d'accord là-dessus. Mais il y a le fair play financier, malheureusement. Mais le fair play, c'est Monsieur Platini, là, l'hypocrite de merde, qui a voté pour le Qatar, mais qui ne voulait pas de la Coupe du Monde au Qatar, mais il a voté pour le Qatar, le gars. Ah, bah oui, c'est lui qui l'a voté. Ce fair play financier a été créé l'année où Manchester City et le PSG est racheté. Ça, faut le comprendre, ça. Mais ça, on le sait, que les clubs légendaires ne voulaient pas des nouveaux riches. On le sait. Donc, je vois pas l'intérêt de l'UEFA. C'est juste pour avoir de l'oseille. C'est tout. Ils s'en foutent du fair play financier. C'est juste pour mettre à sec les gros clubs comme City et comme Paris. Voilà, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Et tant qu'il y aura Nasser Al-Khelaifi, le PSG n'avancera pas. Voilà. Là, on a des joueurs qui ressemblent à des mecs qui sont dans l'hôpital psychiatrique. Je vais te poser une question. Marquinhos, il me fait de la peine. C'est pas son salaire qui me fait de la peine, c'est sa tronche. Je vais te poser une question. La vidéo va être très très longue. Je finis par là. Qu'est-ce que tu en penses quand tu entends que Nasser voulait Thiago Motta? Et qu'est-ce que tu penses que c'était son premier choix et il a... Non, c'est pas vrai. Tu n'y crois pas? C'est pas vrai. En fait, alors, peut-être le premier choix de Nasser, je sais pas. La priorité de tout le monde, c'était Zidane. Zidane, ça s'est pas fait. Après, c'est vrai qu'il voulait Motta. Mais
Après, Mota, lui, il aurait eu peut-être certaines couilles que d'autres n'ont pas. Parce que là, Galtier, ce qu'il fait, là, franchement, depuis 8 matchs, et je sais même pas si c'est grâce à lui les très bons matchs du début de saison. Je pense que c'est vraiment les joueurs qui ont voulu montrer très clairement qu'avant la Coupe du Monde, on est là, tu peux compter sur moi, tout ça et Ça tout. s'appelle de l'autogestion. Là, je t'annonce, bon, Messi, peut-être qu'il sera professionnel jusqu'à la Coupe du Monde, mais je t'annonce, n'attendez plus rien de Neymar. Vous croyez que le Neymar, il va se défoncer sur le terrain à un mois de la Coupe du Monde? Mais jamais de la vie. Neymar, il va jouer au ralenti. T'as vu en plus de ça qu'hier, il est resté au moins 5 minutes au sol. Là, attention. Neymar ne prendra jamais le risque de se blesser à un mois de la Coupe du Monde. Surtout que là, la fin des matchs, c'est le 13 novembre. Donc c'est-à-dire qu'il reste un mois de compétition. Je peux te dire que Neymar va jouer au ralenti et ne va plus rien apporter. Même Mbappé, tu crois qu'il va donner à 100% alors qu'il y a la Coupe du Monde? Là, ça va être un vrai problème. Un vrai Eh ben, problème. t'as bien vu que même Léo ne force pas sa reprise, hein. Et la Coupe du Monde avant tout. Léo, il a dit qu'il est prêt à attendre. Donc voilà Et les voilà. costauds. Et On avait voilà. dit que la Coupe du Monde cet hiver pourrait apporter de bonnes choses au PSG, mais à l'arrivée, là, dans ce mois qui arrive, ça risque d'être très très compliqué. Et dans quel état ils vont revenir les joueurs, ça on ne sait pas non plus. Très clair. Donc voilà, un dernier mot à rajouter. Bah non, tout a été dit. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.